Dieu vivant. You have a living God. Et la Bible dit, and the Bible says, que ton nom, let your name, soit sanctifié. Même quand tu tombes, even when you fall, il peut te relever. RCV, un clic et suivez partout. Alléluia! Sentez ta présence! Sentez sa présence! Alléluia! Alléluia! Seigneur, voici devant ta présence. Viens et parle-nous. Amen. Nous sommes là pour toi. We are here for you. Nous sommes là pour toi. We are here for you. Nous sommes là pour toi. Les mains levées. Tu peux lever le deux mains. Hello. Osama l'amour, Osama l'amour, Osama l'amour, Marabo, Osama l'amour, Tikanga ina yeba, Zambo Osama l'amour, Tikanga ina yeba, Zambo Osama l'amour, Osama. Dis-lui qu'il est bon. Tikangana yeba, Tikangana yeba, lelo. Quelqu'un acclame pour lui. Merci. Vous pouvez prendre place. You may be seated. Je sens la chanson monter dans mon cœur. I can feel the song coming up on my heart. Dikangai na yemba. Yahoza malamu. Si je vois ce qu'il a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi jusqu'aujourd'hui, cela me pousse à dire. Tikangai na yemba. Je vois comment il a gardé mes enfants. I see how he kept my children. Il a gardé mon mari, ma femme. He has protected my wife and my dans husband. Les combats visibles et invisibles. In all this visible and invisible il battles, a gardé ma vie. He kept my c'est life. Pourquoi je lève ma main. That's why I'm lifting, I'm raising et my je hand. Dis Tikangai na yemba. Le monde ne connaît pas. The world does not know. What I went through. Oh, ce que j'ai traversé. Vous ne connaissez pas ce que j'ai subi. You don't know what I've been through. Ce que j'ai entendu. What I've heard. Ce que j'ai traversé. What I've been through. Mais si je respire aujourd'hui, if I'm still alive today, c'est pas à cause d'un homme. It's not because of a man. C'est pas à cause de l'argent. It's not because of money. Et la chanson montera dans mon cœur. And this song just coming my heart. Et lever la main pour dire Tikangaina Yema. Il est bon, les amis. He is good. Est-ce que tu peux encore l'acclamer pour la gloire de Dieu? Yeah!
Si je vois la vie de Yapepe, if I see Papa Pepe's life, ça me pousse à dire Zamboza Mala. It pushes him to say, God, you are good. Quand je vois Yabeloti, when I see Yabeloti, ma capitaine. Quand je vois chacun de nous, when I see everyone, je lève la main du Seigneur. I just lift my hand and say, God, you are good. Je réalise tout ce qui se passe en Ukraine. I see what's happening in Ukraine. Et moi, je me réveille sans bombardement. And I'm raising without any bomber. Tu prends la voiture, tu arrives ici you sans take accident. Your car, you come with no accident. Malgré qu'il y a eu des moments difficiles, mais tu es vivant. Despite difficult times, you are still alive. Je leverai le main. I will raise my hand. Et je dirai Nzambozama. And I say, God, you are good. Il est bon, les amis. He is good. Papa, viens, Papa Romain. Please, Papa Romain, come forward. Romain, tu es mon témoignage, tu es ma you are my biggest testimony. Quand je vois Papa Romain, when I see Papa Romain, quand je le vois, when I see him, je dis attends, dis maranzambe. Even if you don't believe in God, le nzambe de Papa Romain est notre Dieu. Papa Romain's God is your God. Quand je le vois, je lève la main. When I see him, I raise my je hand. Je dis tikanga ina yemba. Baninga, il est bon. He is good. C'est pourquoi il veut que cette année, that's why he wants us this year, nous puissions lui donner aussi le meilleur. For us to give our best. Je bénis le Seigneur pour ta vie. I thank God for your life. Nous allons continuer notre enseignement. We're going to continue with our teaching. Et les soucis de mon cœur, and my worries, what I want, c'est que tu ne sortes pas de cette église sans servir Dieu. It's for you not to leave this place without serving God. Vous ne connaissez pas la faveur et la grâce que Dieu nous fait dans cette église. You don't know the favor and grace that God is doing in this church. Je suis pasteur à Londres, ça fait près de 30 ans. I've been a pastor, it's been 30 years. J'étais président de la pastorale pendant 4 ans d'Iran. I was the president of the pastors for 4 years. Et j'ai été vice-président pendant 4 ans aussi. And I was vice president as well for 4 years. Je connais le nombre de pasteurs qui m'appellent. I know the numbers of pastors who call me. Je peux te dire que tu es dans une bonne adresse. I can tell you in the right place. Je croyais que tu allais dire un bon amen. Voyez les amis, quand Dieu te fait du bien, when God is doing you something good, il y a une maman pasteur qui m'a appelé hier. There is a pastor, a female pastor called Pastor Maps. Elle est invitée pour prêcher quelque part. She was invited to preach somewhere. On l'a donné le thème ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui t'a fait du bien. They ask you to preach about what to do if someone has done you good. Il dit, papa, le thème est tellement simple, vague que est-ce que tu peux m'aider? She said the theme is so simple, can you please help c'est me? C'est son mari qui avait appelé pour is the husband who called in order for her to speak to je pastor? Dis, je dis, c'est un petit thème. It's a very small theme. Mais c'est un thème qui est grand. However, it's big. Il faut d'abord comprendre ce que nous avons perdu. We need to understand what we have lost. Pour comprendre l'amour et la grandeur de Dieu. For us to understand God's love and greatness. Bien-aimé, le Dieu que nous servons. The God that we serve. Il veut que nous puissions mieux le servir. He wants us to serve Him well. Comment s'appelle notre maman? What is our mother's name? Maman, le nom c'est qui? Mama Fatou. Les amis, est-ce qu'on peut, peut donner nos fonds d'acclamation à Mama Fatou? Can we clap for Mama Fatou? À peine venue à l'église. She just came to church. Elle fait partie de la chorale. She already joined the choir. Mama, il faut na peso atamo 20 livres, mama. Nana, mama ngane na kokaba na kaba kama kasi, mama. Na kaba na talate, mama. Zoa 20 livres. Viens, mama, viens, viens. Vous devez savoir you need to know que nous sommes dans une église où si tu as besoin de servir, we are in a church that where if you want to serve, tu peux servir. You can do it. Si mon toi ça la rater l'église. If someone doesn't really serve in this church, maman, vous avez un you have really a bad heart. Que Dieu te bénisse, maman. Yeah. Hey, maman, mususu, c'est un appel sur mususu. Maman, vous avez mis les sous-sous. Maman, oh, pour nous faire comme un libosso. Oh, pour nous faire comme un ami balé. Viens à la télévision. Merci, maman. Maman, non, t'as la n'a aucun détail. Qu'est-ce que je veux dire? What do I want to say with you? Je veux dire, les amis, vous ne savez pas. Quand Dieu touche le cœur. You don't know that when God touches your heart. La première fois que j'ai vu maman Hortense qui
quand elle a accepté d'être ma femme. The first time my mother has accepted to be my wife. Tout ce que j'avais comme mon argent. Everything I had as my money. Que mes parents m'avaient donné pour moi. What my parents has given to me for me. J'ai acheté une jupe et puis une exactement une na top nango. I bought a skirt and a top. Et je voulais que elle mette la chose que moi j'ai achetée. And I wanted her to wear what I had. La première fois quand je l'ai vu venir. The first time when I saw her coming. Avec les habits que moi. With the clothes that I. Qui était enfant dans une maison. I was a child in a et house. Et qui se prépare à être homme. And I was getting ready to become a mes man. Mes enfants n'étaient pas encore venus. My children were not here yet. Mais que j'ai investi sur ma femme. But I have invested on my wife. Vous ne savez pas la joie qui était dans mon you cœur. You don't know the joy that was in c'est my heart. C'est pourquoi un bon homme. That's why a good man. Quand il investit sur sa femme. When he invests on his wife. Il ne peut pas l'écrire. They cannot just say. À compte à gangote. They cannot count it. Parce que c'est une façon de dire combien tu l'aimes. It's just a way of you showing how much you love her. Et je peux te dire qu'il y a un père qui est pour toi. There is a father who is here. Le Créateur, le Dieu puissant, le Dieu vrai. The one is a creator. Il veut te combler, il veut que tu sois bien. He wants to fill you, he wants you to be good. Et il nous appelle pour le servir. And he's calling us to serve him. C'est pourquoi nous parlons de la destinée spirituelle. That's why we're talking about the spiritual destiny. Allons dans le texte d'aujourd'hui. Let's go to today's message. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthians chapter 12. Verset 31. Verse 31. Est-ce que toute l'église peut lire à haute voix? Can the whole church read out loud? Je veux que tu lises comme si c'était une déclaration prophétique. I want you to read it as if you're prophetic declaring these words. Ça va? Amen. On peut lire? Vous voulez que je l'écrive aussi en anglais? Ça va en français? On peut lire ensemble? Go! Aspirez au don le meilleur. Aspire to the best gift. Aspirer, ça veut dire quoi? What does that mean? Désirer. Desire. Hein? Vouloir, n'est-ce pas? To want. Donc, désirer. Desire. Ayez cette besoin. Have that need. Ce besoin de manifester les dons. To manifest the gift. Mais la Bible dit le don le meilleur. It says the best gift. Et vous savez que le don le meilleur. And we know that the best gift. Ce n'est pas le don que tu as appris de l'autre, mais le don que Dieu t'a donné. It's not what you're taking from other people. It was God has given to you. N'est-ce pas? Amen. Et je vous ai dit. And I've told you. Que chacun de nous. That every person. Est un ministre de Dieu. He's a God's minister. Parce qu'il a un don. Because you have a gift. Je bénis la chorale des mamans pour ce que vous avez fait. I bless the mothers' choir for what you've done. Donnez-leur un encouragement, please just les amis. Encourage the mothers. J'ai béni les archanges. I bless the archangels. Les archanges, vous êtes une chorale exceptionnelle. You are a wonderful choir. Même si vous êtes à 4 à 5 à 6, even chantez. If you're only 4 5 sing. Les amis, aidez-moi à encourager le jeune avec maman please maman let's encourage the glories as well. Amenez les enfants que après le dimanche, il y a mamie dans la petite salle même 30 minutes après le culte. Even 30 minutes after the service. Chacun de nous qui sert Dieu. Every person is serving God. Mon ami, même si les hommes ne peuvent rien te donner. Even if men cannot give you mais anything. Mais il y a un Dieu qui récompense ceux qui le servent. Who can give you something. C'est pourquoi il dit je vais encore vous montrer la voie par excellence. I want to show you the way of excellence. Je vous ai dit que la puissance du serviteur de Dieu. I say that the power of a servant of God. D'un enfant de Dieu. Of a child of God. C'est quand Dieu commence à manifester les dons. Amen. Is when God starts showing His gifts in your life. À part le 5 dons du ministère. Apart from the 5 gifts of the ministry. Je vais énumérer certains dons. I want to say some gifts. Et je veux que tu retrouves ce que tu as. And I want you to now find out what donne you have. Le meilleur. Give your best. Donne le meilleur. Give your best. Je veux que tous les jeunes de cette église. I want all the young people in this là church. Là où tu vois qu'il y a un vide. Where you see there is a void. Comble-le. Go and fill it up. Donne le meilleur dans cette give place. Give your best in that place. Car quand Dieu te montre quelque chose. When God is showing you something. Il te rend capable de le faire. He's making you capable of doing it. Allez-y avec ce que j'ai énuméré la fois passée. Premièrement. First of all. Vous avez enlevé les détails. Ok. J'ai parlé de un, servir et aider. So we spoke about serving and helping. Okay, je vais suivre plus ce que moi j'ai. Parce qu'il y a des notes au lieu de donner. Voilà. Un, servir Dieu. Serving God. Bien aimé, dans Actes chapitre 6. In Acts chapter 6. C'est alors qu'on a établi
ceux qui doivent servir et aider qu'on appelle le diacre. We can see the deacons. Chaque membre sauvé par Dieu. Every member should be saved by God. Il est appelé à servir et à aider. He's called to serve and to help. Quand tu viens à l'église, when you come to church, mon ami, my friend, le fait que Dieu t'a établi the ici, Father, you've been established here. Il sait que tu as des choses à donner. He knows that you have things you can give. C'est pourquoi chacun de nous. That's why every person. Est-ce que ça te fait pas honte? Are you not ashamed? Tu sers ton patron. You serve your manager. Tu sers tes compagnies. You serve your friends. Tu sers tes amis. You serve your company. Et la personne que tu n'as pas le temps pour servir, c'est Dieu. And the only person you cannot serve is God. C'est lui qui te donne la vie. The one who gives you life. Mettons-nous au service de Dieu et donner le meilleur. Let's serve God and give our best. Deux. Number two. J'avais donné selon Actes chapitre 4. According to Acts chapter 4. Verset 36. Verse 36. J'ai parlé du fils de l'exhortation. We talk about the sons of exhortation. Mes amis, l'église a besoin de gens qui exhortent les autres. Church needs people who can exhort of the people. Pas les gens qui découragent les Not autres. Not people who can discourage others. Les gens qui prennent leur téléphone. People that take their phones. Les gens qui parlent. They speak. Je crois vous avoir donné l'exemple d'un pasteur du Nord. I've given an example of a pastor in North. Papa Mathias. Papa Mathias. C'est un pasteur même si tu n'as pas de problème. He's a pastor even if you don't have problems. Quand il te voit, la première des choses, il t'exhorte. If he sees you, he just encourages you. Moninga, il faut être fort. You need to be strong. Oui, maman, papa, je suis fort. I am strong. Il faut être fort. No, you still need to be strong. Vous ne savez pas la petite exhortation que vous faites. You don't know the little encouragement you are vous giving. Vous ne savez pas comment ça va booster quelqu'un. You don't know how much you can boost someone. Ya mwana, je dis aux gens. That's what I'm telling people. Quand moni mutu akondi. If you see someone losing weight. Tu vois les gens qui n'ont pas le don de l'exhortation. You saw people that don't have that gift of encouragement. How come you've lost so much weight? You don't know if that person is actually sick. Et lui-même ne veut pas qu'il and they don't even want to be losing mais quand weight. Toi, tu viens attester, but when you come and start saying toi, tu crois que tu le fais du bien, mais c'est une confirmation que that is a confirmation that my life is actually un enfant bad. De Dieu, c'est quelqu'un qui vient exhorter, a child of God is someone that goes relever, to help. Relever quelqu'un. To help someone to c'est stand. Pourquoi toute personne qui a le négativité. Every person has negativity. Ne lui donnez pas ton oreille. Don't give them your ears. Vous ne savez pas le négatif s'émet aujourd'hui. Amen. You don't know the negative that is coming today. C'est que ça peut faire demain. What it can do tomorrow. Est-ce que vous savez que si vous prenez le téléphone ou bien vous voyez quelqu'un, vous l'exhortez? Do you know if you see someone, you encourage them? Vous ne savez pas ce que la personne dira. You don't know what that person will then say. Soyons des fils et des filles d'exhortation. Let's be children who can encourage people. Ayons notre bouche pour booster les gens. Let's use our mouth just to boost people. Ceux qui connaissent les pasteurs Maps, atausane logothes, atausane lemba. Quand je suis avec toi, je vais te booster. Even if you have nothing, Pastor Maps is able to boost parce you up. Parce que je vis des gens qui avaient rien. He has seen people had nothing. Mais qui à force de booster. But because they were helped and ils encouraged. Ils ont développé en eux. They developed in la them. La chose qui était enfouie. What it was hidden. Ça c'est la deuxième. Donc, à part la prédication, so apart from preaching, le pasteur, pastors, l'évangéliste, on a besoin de ça. We also need this. Number three, le donner. To give, giving. Je ne sais pas pourquoi vous l'aviez résumé comme ça. Trois, le donner. Giving. Dans Luc chapitre 6, in Luke chapter 6, verset 36, verse 36, la Bible dit donner. The Bible says give. Et il vous sera donné. And it shall be given on back to you. On versera sur votre sein. They will bring your blood. Les amis, l'église a besoin de gens qui donnent. Church needs people who can give. Il y a, tu permets que je donne ton témoignage, maman. Il y a Didi. La maman de Didi. C'est une femme qui a bouleversé notre jeunesse. Mama did this mom is someone that has changed our youth. Je crois que papa Lidor la connaît. Cette femme, j'étais encore trop jeune. Pastor was very young. J'avais le cœur d'aider. He had the heart of helping people. Et elle était parmi les gens qui me soutenaient tout en étant jeune pour aller donner à manger du bien dans des hommes de vieillard. She was among the people who used to help pastor to go and help notre église qu'on a construite au Congo. The church they have in Congo. Je peux dire 70%. Like 70%. C'est cette maman qui a soutenu. It's because of this mom who has supported us. Maninga, si nous savons donner pour Dieu. If we know how to give for God. Il nous promet. He is promising us. Qu'il nous bénira. That he will bless us. Il y a une sœur qui est à ma droite ici. There is a sister on the right side. Après un enseignement dit daddy,
je sens que je dois aussi contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. After Chink, he said, oh, I need to contribute for God's work. Maman, que Dieu te bénisse. May God bless you. Elle a décidé de soutenir. She decided to help. Quand dans l'église, Dieu établit les gens qui donnent. In church, God establishes people who can give. Écoutez comment Proverbe chapitre 18. Now, instead of Proverbs chapter 18. Verset 16 nous dit. Verse 16 says. Les présents d'un homme. The present of a man. Donc ce que l'homme donne. So what man is giving. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Will enlarge their ways. Et lui donne accès auprès des grands. And they give them access to the great. Tout homme qui a la libéralité. Every person knows how to give. Tout homme qui sait donner. Every person has liberality. Les portes de sa vie seront ouvertes. Doors of the last will be open. C'est pourquoi je prie. That's why I'm praying. À cause de ce que tu fais. Because of what you are doing. Que le ciel aussi te donne au nom de Jésus. May heaven also give you back in Jesus' name. La Bible dit il y a du bonheur à donner. The Bible says there is a good in giving. Qu'à recevoir. Than to receive. Que dans cette église. May in this church. Que toute personne qui a ce don. Every person has continue de le faire. Vous keep savez, on doing it. Vous savez que Dieu donne beaucoup à ceux qui donnent. Pourquoi? Amen. Do you know why God gives more to those who give? Parce que Dieu sait que si te donne, because He knows that when He's giving to you, il y aura beaucoup d'autres personnes qui seront bénies. Many people will also be blessed. C'est pourquoi Il te donnera toujours beaucoup. That's why we keep on giving you a lot. Parce qu'Il sait que par toi, because He knows that through maman you, telle, papa telle, this enfant telle sera bénie. This father, this child will be blessed. Que ce don soit manifeste May dans notre vie. May this gift be manifested in our lives. 4. Number 4. Le don de l'administration. The gift of administration. Ça, c'est parmi les dons que nous n'avons pas souvent dans nos églises. These are among the gifts that we don't really have in our church. Pourquoi? L'église n'est pas simplement remplie de gens qui prient. Church is not only filled with people who can pray. Il faut qu'il y ait des administrateurs. We also need administrators. Des gens qui gardent le rapport. People who can keep the reports. Les gens qui peuvent chaque un mois, deux mois, trois mois. People that every month for two, vous three months. Vous présentez écrit. They can present in written. Pourquoi? Why? La plupart de nos églises. Many of our churches. Nous croyons que l'administration c'est quelque chose de charnel. We think that all administration is something of the flesh. Je me rappelle, il y a un pasteur ici à Londres. I remember there is a pastor here in London. Il prêche. He preaches. Il dit, mais pourquoi dans les offrandes vous donnez les enveloppes? I say, oh, in your offerings, why do you give envelopes? Because they used not to have envelopes. Je lui dis, ici là. I say, here. On contrôle. We control. Les églises c'est comme une charité. Churches are like a charity. Les audits externes peuvent venir et puis vous demander le rapport de 6 mois passés. They can ask you reports of 6 months ago. Vous ne pouvez pas parler en langue, il faut leur montrer. You don't need to speak in tongues, you need to show them. Donc, on a besoin des administrateurs, des gens qui peuvent nous aider. So we need admin people. Si tu sais que tu as ces dons. If you know that you have these gifts. Pourquoi ne pas les manifester pour la gloire de Dieu? Why can't you use it for God's glory? Si je demande ici la chorale telle ou bien le groupe tel, donnez-moi le rapport de janvier 2018. If I ask a choir to give a report of January 2018. Janvier. 2018, January. What happened again? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas écrit. Because nothing was written. Mais ici, si vous allez à l'hôpital, but if you go to the hospital, on vous demande seulement votre date de naissance. They ask you your date of birth. Dès qu'on tape pan, once they type it, tout le rendez-vous, all your appointments, tous les médicaments qu'on t'a donné, all your drugs, boum, ça sort. Everything will come up. Et nous devons, et des fois quand on demande, donnez vos numéros de téléphone, so they say, give your phone number, pour qu'on garde les informations. So we can keep your records, your information. Ouais. I don't like these things. So you are, so you are in Europe. Why don't you like it? Tu donnes ton numéro partout. You give your phone number au everywhere. Au travail, on a tes numéros. At work, they have your number. Pourquoi ne veux-tu pas que aussi à l'église on soit organisé? Why do we also can be organized in church? Et des fois, quand on a notre WhatsApp. And sometimes when we have our Facebook. WhatsApp, our Facebook page. Left. You see, someone just suddenly have left. You left. Quand on veut faire l'information, oh yeah, bande. So when we're gonna give information, how would you know? Donnez-moi un amen. Amen. 5. Number 5. Très important, la miséricorde. Mercy. Ce ministère exige de la sympathie. This ministry needs sympathy. Pourquoi vous avez enlevé tout de la sympathie? So you need sympathy. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 2. The Bible says in James chapter 2. Verset 13 à 16. Verse 3 to 16. Dieu a besoin que l'église soit remplie de gens qui ont ce cœur miséricordieux. God needs people that are filled with this heart of mercy. Des gens qui ont
la compassion des autres. People have compassion for other people. Quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin, when I see someone in need, mon cœur doit être touché. My heart must be touched. L'église n'est pas un combat entre Russie et puis Ukraine. Church is not a place where we're fighting as Russia and Ukraine are fighting. Nous sommes la même armée. We are the one army. Mon père était militaire. Pastor's father was a military, a soldier. Et puis a soldier. Il nous disait dans le combat. And he used to say that in, in si the fight. Si un de vous est atteint. If one person is being attacked, on ne laisse pas son corps. We don't leave their bodies. On le prend. We take them. On se sauve avec lui. And then we continue with the body. Ne permettons pas que un de nous meure. Let not allow someone to die spiritually. Eh, balongwa qui partent, yeah, ils sont they mauvais. Can go, yeah, they're bad. Jésus est venu sauver le pécheur. Jesus came to save the sinners. Comme Jésus vit en toi. When Jesus lives in you. Il est de ta responsabilité d'aider les autres avec ses cœurs. It's your responsibility to help others. Vous savez que c'est une femme qui n'est pas beaucoup aimée par son mari. You know there's a wife who's not being loved by her husband. Quand tu la vois passer, yo kayo. When you see her, you go. Hey. Hey. Bamsuga baga pamba. Oh, those are even just a child. Tu gagnes quoi? Or what are you winning? Are you gaining? Tu gagnes quoi si lui souffre? What are you gaining if she's suffering? Ecclésiaste dit dans la vie. Ecclesiastes say in life. Il y a des hauts et des bas. There are ups and downs. Il y a un temps pour pleurer. There's a time to cry. Il y a un temps pour rire. And time to laugh. Ton plaisir d'aujourd'hui. Your pleasure of today. Tu ne connais pas sa durée, hein? You don't know how long it will last. La personne qui te avec ce qui tu te manques aujourd'hui. The person you are mocking today. You never know the future. On sait jamais in the future. N'est-ce pas? Amen. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est malade depuis 10 ans? Have you ever seen someone who's been ill for 10 years? Il continue à vivre, mais quelqu'un qui était malade aujourd'hui and même. And someone who is today sick. Et puis il meurt. And they die. C'est pourquoi dans la vie. That's why in life. Ayez ce cœur-là. Have that heart. Vous ne savez pas la personne que vous aidez aujourd'hui. You don't know the person that you're helping today. Vous ne savez pas ce qui deviendra demain. Amen. You don't know who they will become tomorrow. C'est pourquoi soutenons-nous les uns les autres. Let's support each other. Et ça c'est un don. And this is a gift. C'est un don. It's a gift. On a dit amen. Amen. Vous voyez quand je vois ma fille là. When I see my daughter. La Natasha Eva. Maman Natasha. C'est une sœur avec beaucoup de dons. She's a sister with many gifts. C'est une sœur que j'ai commencé à aimer depuis très longtemps. She's someone I started to love for a long time. Elle n'était pas encore membre de l'église. She was not a member of church yet. Je voyais quelque chose en elle. I used to see something in her. Et je savais qu'un jour, and I knew that one day, le Seigneur va le manifester. God will manifest. Muninga, quand tu continues à soutenir quelqu'un que tu connais qui a quelque chose, un avenir. When you continue to support someone who has a future, le jour où le Seigneur la bénira financièrement et bénie. Amen. The God will bless her financially. Na papa Eva, even her and her husband, they will come. Et je me rappelle même dans la période de COVID. And I remember during COVID time. J'habitais l'ONU et Tinda qui aimait. C'est sûr que résumé de toutes choses, ils ont préparé ce qui combien de nzungu et logo. They prepared a lot of food and they brought it to Pastor Maps. Voyez, donc il faut avoir ce cœur là. We need to have that heart. Ce que tu sèmes aujourd'hui. What you are seeing today. Ne sera jamais en vain. Will never be in vain. Amen. Amen. Six. Number six. Voilà. Maintenant quand même vous avez le miracle et la guérison. Miracles and healing. Je veux que vous puissiez comprendre que ces dons. I want you to understand that these gifts. N'est pas réservé simplement aux prédicateurs. Are not only reserved to preachers. J'ai vu à l'église. I've seen in church. Des gens qui ont le don de miracle. People who have the gift of miracle. Qui ont le don de guérison. Who have the gift of healing. Exerce-le. You need to practice. En toi il y a une puissance. In you there is power. Lève ta main et dis je déclare. Raise your hand and say I declare. Voilà, regarde-moi. Vous savez que ce qui sort de ta bouche. You know, the word comes off your mouth. Ça peut devenir de réalité. Can become reality. Quand tu vois à la maison. When you see in your house. Il y a un enfant qui est malade. There's a child who's ill. Il y a l'autre enfant qui est malade. Another child who's sick. Après cette maladie encore maladie. And then after this illness, vous ne savez pas si c'est un message. You don't know if it's a que message. Dieu vous dit. That God is exerce telling you. Le don de guérison you need que to tu practice as. The gift of lève healing. Ta main dit je déclare. Raise your hand and say, I declare. Chaque fois que je leverai ma main. Every time I will raise my qui hand. Est guérison au nom de Jésus. Jesus Père, Father, je déclare I declare que le miracle m'accompagne miracles to follow dans tout mon ministère ministry, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Voyez, l'église a besoin. Church needs. Il a besoin de gens qui développent le don. Church needs people who can develop this gift. Allez avec moi dans 7 parce que je vous donne. Let's go to number 7. 14. L'intercession. Let's go to intercession. Les amis, ça c'est un
un don exceptionnel. This is an exceptional gift. La prière et le jeûne pour d'autres personnes ont toujours été un ministère puissant. Praying and fasting for other people is a powerful ministry. Un enfant de Dieu qui connaît l'importance de l'intercession. A child of God who knows the importance of intercession. Sa prière sera toujours longue. Their prayer will always be long. Écoutez comment la Bible dit dans Ésaïe. Hear what the Bible says in Isaiah. 62 verset 62 from 67. Sur tes murs. In your walls, sur le mur de Earth Ministry, upon the walls of Earth Ministry, sur le mur de tous les membres de notre upon église, the walls of all the members, j'ai placé des gardes. Have placed guards. Ils ne se tairont ni jour ni la nuit. They will not be tarrying nor days or Dieu nights. A besoin dans cette église God needs in this que church tu développes le don for you to develop de l'intercession. Of intercession. Quand tu entends when you hear qu'un frère, that a brother, qu'il y a une soeur, that a sister, qu'il y a une maladie, that have an illness, qu'il y a une endémie, they have a problem, rentre dans l'intercession. Go into intercession. Sur la liste in your list des gens qui sont dans ton mobile of people who have problems. Je peux faire toute une prière. I can do a whole prayer. Non par nom. No name je by name. A. I take a start je from cite A. Le nom. I say the name. Père, Father, que cette maladie may this illness ne frappe pas. Not to continue. Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C. All these people. Quelqu'un qui développe l'intercession. Someone who develop intercession. Il développe la puissance de Dieu dans sa they vie. They also have the power of God in their que lives. Que cette grâce affecte may ta vie. May this grace affect your life. Écoutez comment la Bible nous dit dans le 1 Timothée. Let's read 1 Timothy. 1 Timothée chapitre 2. From 2. Verset 1er. Chapter 2. J'exhorte donc. I'm exhorting. Avant toute chose. Before everything. À faire de prières. To have to do de supplications. Prayers. Des requêtes. Requests. Des actions de grâce. Action, pour thanksgiving. Les hommes. To for all men. Ça fait plusieurs années. It's been years. Il y avait une sœur qui priait avec nous ici. There's a sister who used to pray here. Elle est de la Côte d'Ivoire. She's from Ivory Coast. En fait, il y a au moins quatre. There are already, I think, four. They used to have four. Qui ont toujours été des membres de notre intercession, mais qui ont continué à intercéder jusqu'à aujourd'hui. They used to be members of intercession. They're still doing it until today. Ils plaident, quand bien même que les autres ne sont plus à Londres. Even if other people are not here in London. Il y a une qui est à Birmingham. One is in Birmingham. Et l'autre qui est rentré au Cameroun. The other one went back to Cameroon. Plus notre sœur qui est à Tottenham. And then the other sister is in Elle Tottenham. Elle continue d'intercéder jour après jour pour nous, pour chacun de nous, pour le ministère. They continue to intercede every single day. C'est pourquoi Dieu a besoin de gens qui intercèdent. That's why God needs people who can intercede. L'intercession doit être ton fardeau. Intercession must be your burden. Tu réalises que le frère tel ne vient pas. You realize that this brother is not coming. C'est no longer coming. Start praying. Tu réalises que j'ai vu ma pasteur n'est pas là. You notice that notre pasteur Amina. Et Mama Amina is not here. Tu sais qu'elle elle est restée avec les enfants, elle a le fardeau. And you know that she has the burden of children. Mais c'est un sujet de prière. It's a subject of prayer. Tu écoutes que le pasteur dit, il faut que maman, mamie dirige les enfants pour la chorale. C'est un sujet de prière. Everything is a subject of prayer. Tu sais que nous avons notre anniversaire, mais c'est un sujet de you prière. You know that we have our anniversary, you need to pray vous avez about des frères et sœurs qui ont des talents. We et have puis sisters. Ils font des... C'est un sujet de prière. We gift. We need to pray for them. N'est-ce pas? Amen. Votre pasteur, de temps en temps, il dit non, ma voix. Mais c'est un sujet de prière. Your pastor always says, oh, my voice. L'intercession est parmi les choses très importantes. Intercession is really important. Ézéchiel chapitre 22, verset 3. Ézéchiel chapitre 22, verset 3. La Bible dit, je cherche. The Bible says, I'm seeking. Parmi eux. Among them. Un homme qui élève un mur. A man who can stand. Qui se tienne à la brèche. Who can stand. Devant moi en faveur du pays. In front of me for the favor of the country. Afin que je le détruise pas. So that I cannot destroy. Lève ta main. Déclare avec moi. Le bas au nom de Jésus. In the name of Jesus, Père, Father, je me mets devant. I'm standing in front. Pour que tu ne détruises pas. So therefore, you not to destroy. Ces peuples pécheurs. These people. Dans ma famille. In my family. Le banayoka yo. Dans ma famille. In my family. S'il y a quelqu'un. If there is someone. En cette année. In this year. Qui était préparé. Who was prepared. Pour être détruit. To be destroyed. J'annule. I am canceled. Ces décrets. I'm destroying. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Mon ami. My friends, l'intercesseur. Intercessors. C'est pourquoi nous dans le temps. That's why as in doing time. Je crois que maman Jojo qui s'est convertie au Congo, souvent on disait que l'intercession était le poumon même. We used to say that intercession is our lungs. Pourquoi? Why? Parce que c'est ce qui poussait la respiration. Is what was pushing respiration. C'est pourquoi un intercesseur. That's why an intercessor. Exactement. I know these people that are proud.
Are those people that can bury the burden? Ils portent le fardeau. They have the burden of everyone. Ça, c'est un don. This is a gift. Tu peux ne pas prêcher à l'église. You may not be a preacher in church. Ça, là, but this c'est un fardeau que tout chrétien peut porter. Is a burden that every Christian can bear, can n'est-ce carry. Pas? Amen. Est-ce que vous savez que tu peux prendre côté papa leader avant d'accorder ils ont ton naté. You can say next to God is empty, there's a void. N'est-ce pas? You can pray about it. Comment est-ce que je peux prier pour que la jeunesse de mon église prenne les choses au sérieux? C'est un sujet de prière. I pray about your youth. 8. Number 8. 8. L'hospitalité. Hospitality. Les amis, un accueil chaleureux dans un foyer chrétien a occasionné plusieurs bénédictions dans la vie de plusieurs personnes. A warm welcoming can bring blessings in many lives. Il y a des gens qui ont cette hospitalité. There are people that have that hospitality. L'hospitalité, c'est le fait de bien accueillir les gens. It means to know how to welcome people. Maman, il y a des maisons quand tu rentres. The house is when you enter. Même si tu avais besoin de faire longtemps. Even if you wanted to stay long. Tu presses. You just ring the bell. Second, il vient pour ouvrir. They come to open the door. You're like, oh, tu es venu? I say, oh, you came. Okay, entrez. Il fallait m'appeler. All right, enter. You should have called me. Déjà, tu es découragé. Already, you have been discouraged. C'est vrai qu'en Europe, tout il faut appeler. It's true that we need to call here in Europe. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce cœur-là. But there are people that don't have their hearts. Et ils les amènent même à l'église. And they also bring it into church. Il n'est pas hospitalier. They don't know how to have hospitality. Quand ils voient quelqu'un de nouveau. When they see someone new. Oh, wow, what I say, oh, where is this coming from? Vous le voyez. You can see them. Ils ne parlent pas, mais sa figure. They don't talk, but they figure. You can see them. Des fois, quand on dit prière individuelle. So they always say, okay, let's pray individually. Et les nouveaux font la prière. And the newcomers do the prayer. Il y a des gens qui dribblent en prière. Mm-hmm. Seigneur, nous te louons. C'est Lord, we worship you. Le fallait de nid. Donc, ils parlent. They can talk. Il y a des gens. The other people are like, ma prière est bien, dominer. Ah, this prayer is gonna come and dominate. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment jamais le meilleur. Because people don't like the best. Bon, vous croyez que je mange, je suis pasteur, ça fait très longtemps, les amis. I've been a pastor for a long time. Depuis le Congo. Since Congo. J'ai vu les gens. I've seen people. Haïr quelqu'un. Hating someone. Simplement parce qu'il a un don. Amen. Simply because they have a gift. Or, nous avons besoin de meilleurs. But we need all this. Si vous avez beaucoup de meilleurs, ça va. If you have the best people, il y a des gens qu'on l'aime pas. There are people that you don't like parce them. Parce qu'on a peur. Just because we are fearing. Que lui aussi soit utilisé. That they can be used as well. L'hospitalité. Hospitality. Hébreux chapitre 13 verset 2. Hebrews chapter 13 verse 2. N'oubliez pas l'hospitalité. So never forget hospitality. Car en l'exerçant, by offering it, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. You might have hospitalized angels without knowing. Il y a quelqu'un que tu peux recevoir à la there maison. There is someone you can receive in your house. Tu les reçois comme un homme. You are receiving them as a man. Mais ma Bible dit. But my Bible si tells tu reçois me, quelqu'un en sa qualité, if you receive someone in the le quality, Dieu de cet homme te bénira. The God of that man will bless you. L'hospitalité. Hospitality. C'est pourquoi. That is why. Vous connaissez la femme Tsunamite. You know the Tsunamite woman. Qui recevait un serviteur de Dieu. Who used to receive a servant elle of God. Elle n'avait pas de besoin. She had no need. Mais à cause de son hospitalité. But because of her hospitality. Le Seigneur a brisé la stérilité. God broke barrenness in her vous life. Vous connaissez les gens. You know people. Qui ont reçu des gens. Who have received people. Dans notre maison. In our house. Ça fait maintenant combien d'années que qu'on vit maintenant seul. Mais depuis notre mariage. Ever since we got married. On a toujours vécu avec des gens à la maison. We always lived with people in the house. On a accueilli plusieurs personnes. We welcomed many même people. Même des gens qui n'étaient pas de notre famille. Even people not from our family. L'hospitalité paye. Hospitality pays. N'oublie jamais, jamais. Never forget. N'oublie jamais de développer ça. C'est un don. Never forget to develop. C'est un don que Dieu donne. It is a gift that God is. Donne-moi un amen. Amen. C'est pourquoi soyons une église de gens. Quand quelqu'un rentre, il dit, ah, il faut que je rentre. Let's be a church that when someone comes, you say, yeah, I need to remain here. Ça, c'est ma conclusion. This is my conclusion. L'ambiance d'une église, d'un département, dépend de leaders qui dirigent les choses. What happens is just depends on the leaders. Si vous avez un leader qui est open, il va communiquer même à ces gens-là. If you have a leader who is good and open, he will communicate this bon, to the people. Je sais que quand on donne des exemples de foi,
Don't take these examples bad. Mais je vous dis la vérité, quand vous allez à l'église du Nord, when you go to North Church, vous trouverez il y a c'est difficile de l'expliquer, mais il y a comme ambiance moko boya sur le côté, vous sentez famille. North has a different vibe where you feel family. Mais il y a des lieux quand vous sentez réservé. But there are other places where you go, you're being reserved. Les gens sont réservés. People are really nous reserved. Nous brisons cet esprit parce que c'est pas bien. We are breaking the spirit. Chacun de nous doit se sentir libre. We all should feel free. Cette église, les amis, vous ne savez pas ce que cette église a déjà fait. You don't know what this church has done already. On est parmi le meilleur dans beaucoup. We are among the best churches. Et ça parce que c'est ton église que tu ne vois pas des fois le bon côté. It's just because it's your church and you don't see this good side. Vous êtes bien formé. You've been well formed. Vous n'êtes pas manipulé. You are not being manipulated. Esprit à gégé na bananisa te. You don't have bad spirits. Et vous avez un pasteur qui vous aime. And you have a pastor who loves you. Et ça c'est des choses rares. And these are things that are really dans ce siècle ici. In this period. Et nous nous contentons de ce que nous avons. And we are happy what we have. Les amis, tu es dans une bonne adresse. You are in a good et place. Et faisons de sorte que même quelqu'un de loin. And make the everyone from far. Et ce désir là de venir. To have that desire to et come. Et qui doivent parler, c'est toi. And you need to speak. Soyons hospitaliers. Let's have hospitality. Neuf. Number 9. La visitation. Visitation. Les amis, ça c'est tout un don. Le fait de se dire je vais visiter mon frère, ma sœur que je n'ai pas vu. Say I'm going to see visit my sister I've not seen for et long. Et aujourd'hui même la visitation est devenue différente. And today is even different when we go to see someone. Le pasteur maps que vous voyez. The pastor maps that you see today. J'ai décidé dans mon ministère quand on a commencé de visiter tout membre de l'église maison par maison. I've decided to visit every single member of my church. On vous dirait que le pastor Maps connaît tout le nom des membres de son église. Pastor Maps knows all the members of his church. Mais aujourd'hui, but la today, visitation est devenue large. It became very hard to do it. Par téléphone. You can visit someone by phone. Tu peux visiter quelqu'un sur Zoom. You can do it by Zoom. Tu peux aller chez quelqu'un. You can actually go to someone. Il est de notre responsabilité de le faire. It's our responsibility to do it. Et ça, c'est tout un don. And this is a gift. On a dit amen. Amen. Quand l'église est remplie de dons pareils, when church is filled with this gift, les amis, on sera tous fortifiés. We will all be fortified. Tu vois, on a notre maman ici, maman Isabelle. We have Mama Isabelle. Ça fait un bout de temps qu'elle ne vient pas. It's been a long time that she did not come to d'abord, church. D'abord, c'est à cause de corona, de son âge, de douleurs. Bon, à part maman Lily et puis ma fille que j'envoie, maman des fois l'appelle. Ces mamans, ce sont le maman que nous avons. These mothers are the mothers that we have. Et notre souci c'est quoi? And what is our burden? Et vous savez mon cœur pour les Hébreux. And you know my heart for these elderly mothers. Ni que c'était COVID, il y a des choses que je dois faire pour eux. There are things that I need to do for them. J'ai senti le Seigneur me dire dans mon cœur. God spoke to me. Toutes ces femmes. All these women ont souffert pour vous, les enfants. Have suffered for you, children. Avant qu'elles ne rentrent au ciel. Before they go back to heaven. Vous, les enfants, gâtez-les comme you il faut. Need to spoil them. Il est de notre responsabilité. It's our responsibility. Vous pas maman, on a. You see all these mothers there. De les gâter comme we il faut. We need to spoil them. Je croyais que tu allais dire amen. Amen. Maman Bernadette. Maman Bernadette. Maman. C'est notre maman ivoirienne. La seule maman ivoirienne que nous avons. She's the only Ivorian mother that we have. Le dimanche, elle est venue. Le dimanche d'après, elle est venue me voir au bureau. Two Sundays ago, she came to see Pastor Maps. Elle dit, mon fils, y a quoi? She said, my son, what's going on? Je lui ai dit, y a quoi? What's happening? Il dit, mais y a quoi? Ça fait mais un peu un bout de temps, tu me salues pas. It's been long time you don't say, you don't greet me. Je dis, maman, y a quoi? Ah, bah, pardon. I said, oh, sorry, ma'am. Tu vois, juste, et pourtant je passe par là. And when I come, I pass by that way. Bon, quand je passe, je viens, mais elle a besoin de fils que d'un petit. She just needs someone to go and say hi to her. J'ai dit, OK, allez, deux salutations, trois salutations, quatre salutations. C'est, je l'ai bombardé de salutations. So, pastor then started hugging her. Vous ne savez pas
ce que ça fait à nos mamans. You don't know what a difference it makes. Imaginez que nous terminons le culte ici. Now imagine after the service. Toutes ces mamans voient nos jeunes. All these mothers see our young people. Hello, mom. Vous ne savez pas ce que ça va leur faire. You don't know what difference ça it make. Ça peut booster leur immune système sans prendre un médicament. It can boost their immune system even without medication. Soyons une église où nos mamans se réjouissent. Let's be a church where our mothers are N'attendons happy. N'attendons pas qu'elles soient résolues. Pendant qu'elles soient encore vivantes, while they're still donnons alive, le meilleur pour let's eux. Let's give our best. C'est pourquoi nous devons leur rendre visite. That's why we need to visit them. Même au téléphone. Even on the phone. Le 27, c'est Mother's Day. On the 27th is Mother's Day. Faisons aussi, I mean, quelque chose pour que nos mamans là. Let's do something that our mothers. Pour l'occasion de rien, for our mothers to nous see that les honorons, that we love them, afin qu'ils sachent que elles sont dans une communauté. So that they can know they belong to a community. La visitation est très importante. 10. Number 10. 10. Le souci social. Social worry. Vous savez que ne te permet pas, maman, papa, d'être quelqu'un qui vit seul. Never allow yourself to be someone who lives by themselves. Tu te retranches de temps en temps inutilement. You just go and decide to live by yourself. Vous avez un comportement mauvais en dingue, on les a bien. Is a bad behavior. La vie n'est pas faite pour que tu sois isolé. Life is not being made for you to be isolated. La vie est faite pour que tu sois ensemble avec life les gens. Life is for you to live with people. Mais comme je vous ai toujours dit, and as I've always said, il y a des amis. There are friends. Et puis il y a des camarades. And then there are coaching. Les amis, c'est ton choix. Friends are your choice. Ne dites à personne que tu es mon ami. Never tell people that you are my friend. Mais considère lui ton ami. Just consider them as such. Par rapport aux objectifs de ta vie. According to the objectives of your life. I mean, laissez-moi donner un exemple simple. Let je suis maçon. Give a simple example. Je suis maçon. I am a builder. Et puis mon ami c'est un astronaute. And my friend is an astronaut. On va pas parler de nos carrières parce que ils ont simbaté. We won't be talking about the same juste thing. Un exemple quoi. This is just an example. Là, la personne que tu considères ami. So the person you consider your chaque friend. Chaque fois que tu es avec lui. Every time you are with them. Dans vos conversations, il y a des boosting. You will also have boosting your conversation. Parce que vous avez la même vision, même orientation, because même souci. Chacun pousse l'autre. Vision. Pourquoi je dis et ce n'est pas important que l'ami sache que tu es, il est ami. It's not important for that friend to know that they are your friend. Parce qu'il y a des amis qui vont devenir ennemis. Because there are some friends might become your enemy. Au lieu de lui dire, bah, oh, comme ennemi. Now, for you to then say, oh, you are my enemy. Non, mais comme toi-même, tu sais que c'est un ami qui est devenu mauvais. Because you know they became bad. Ne cherche pas parole. Do not go and start talking. Le monde est plein de soucis. This world has many problems. Quand tu grandis là. When you're growing. Dernièrement, j'ai écouté moi, I felt some pain in my knee. C'est quoi ça avec ces what is quoi? This? Après, pas écrit. And then it disappeared. Il y a trois semaines, moi, mon congé, c'est quoi? Three weeks ago, my back was hurting. Je suis encore jeune, après, pas écrit. And then, donc, dans la vie, même nous autres, c'est un problème. In life, even your body is a problem. Les contraventions, même là où tu es passé, sans caméra, on n'a pas contraventions. You can take tickets just everywhere. C'est un problème. These are all problems. Mais s'il faut encore avoir les problèmes avec les hommes. But if you also need to have problems with people. Et puis plus les démons, non, il faut and pas. And the demons are. Donc évitez. Si tu vois quelqu'un que tu as aimé. If you see someone that you used to love. Il devient compliqué. They became a bit complicated. You don't know why. Donc tu le prends, tu le mets de côté. You take them and you put them aside. Mais qu'ils ne deviennent jamais ton ennemi. But they will never become your enemy. Les camarades, je vous ai toujours dit, il y a deux catégories de camarades. There are two types of acquaintances. Avec les camarades, tu ne parles pas de vie des autres. You don't talk about other people's life. Même quand ils t'appellent, hey, oui, maman, even maman, if they call maman, mwambui, mwambui, ils ne font pas ajouter. Never add anything. Vous écoutez seulement. You just listen. Parce qu'il y a des gens quand ils vous appellent. Because there are people when they call you. C'est lui qui va aller dire à mwambui, écoutez ce qu'il vient de dire. People to go and then say everything écoutez, out. C'est pas un problème. Listening is not a problem. Mais ajouter, il faut pas. But adding is si the tu, issue. Il faut pas ajouter le nom de quelqu'un qui est absent. And never add a name of someone is absent. Faut pas. Never do this. Ça va, hein? Amen. Et puis le camarade, ami, les camarades que j'ai dit, etc. And then you have the rest.
Quand tu les vois, ça va. When you see them, it's good. Si tu les vois pas, if ça you va. Don't see them, it's still okay. Parce que tu ne peux pas vivre seul sur la terre. You cannot live alone here. Il y a des choses earth. Que Fatouma connaît. There are things that I know. Dont toi tu as besoin. That you need. Donc tu as besoin de lui. So you need me. Pour qu'il t'informe. For me to inform you. Il y a eu des mois où j'ai toussé. There was a month where I used to cough. J'ai partagé avec une sœur de l'église. And I shared this with a sister here in church. Au nord. In north. Au nord, en fait, partout. Ah, un peu bolinga, mais elle me dit, papa, tu sais que tu peux prendre. Qu'est-ce qu'elle avait dit, mamie? Ananas, et puis tu mets le miel. She said, you can take pineapple and pour honey. J'ai essayé, puis pas, ça marche. I've tried it and it worked. Il y a quelque chose que voisin connaît. There are things that your neighbor knows. Que toi, tu as besoin. That you need. Ça va? Amen. Le social est très important. Social life is really quand nous important. Terminons le culte. When we finish the service. Salut les amis. Just greet your friends. Bonjour, ça say, va? Hello, how are you? Yo, Zara, neti. Netis na yebite suki moto gizi donc ce gars tout le amen pas tu sors. After the service you just leave. Mais ça c'est ta communauté. This is your community. Mais avec dans ta communauté tu ne connais même pas trois personnes quatre personnes qui te saluent. And you don't even know three or four people to greet. Mulimo ya wapi? Where is this place coming from? Maintenant si on se retrouve tous là au ciel. Now if when we go to heaven. Yo yebisa nkulu ah. He say ah. Oui bien yena na. Tu vas dire ça? Tu vas dire ça vraiment? Donc, manifestons notre amour pendant que nous sommes là. Let's show our love while we're still alive. Ça va? Amen. Tu vois quelqu'un comme Namouni Maman, la brunette? You see someone, la Maman brunette? Bien habillée comme ça. Well dressed. Bois-moi bien loge. Just say it. Oh là là, Maman. Mother, you look very beautiful. Est-ce qu'on a quoi? No. Parce que vous savez que l'Europe nous a rendu la vie très compliquée. Europe has made our lives really hard. Batubakuma, on a peur de donner les éloges. Sometimes we are scared to say something good. En Afrique, on le faisait. Ah ouais, arrête mais ah tout ça là. Say, yeah, you look c'est good. Batubakuma un peu très réservé. And now people are being reserved. Mais quand on est à l'église, but when we are in church, manifestons le don et le fruit que le Seigneur nous a donné. Let's show these gifts that God has given to us. 11. Number 11. La littérature. Literature. Baninga, ça c'est tout un don. This is a whole gift. Que nous ne voyons pas souvent dans nos églises. That we not always see in our churches. Je crois que chacun de nous, tu dois savoir qu'il y a la puissance dans la parole écrite. We need to know there is power in the written word. J'avais dit à un certain moment. I've said at some point. Que si chaque département. If every department. Après chaque trois mois. Every 3 months. Nous fait le rapport de trois mois. They give us the report of 3 months. Ils donnent à notre secrétaire. They give it to our secretary. Comme ça, on fait sortir aussi notre bulletin d'information. So that we can also bring our magazine. Là, il faut beaucoup de prières. You need prayer. Les amis, ça c'est fait par tout le monde. And this is done by everyone. Peut-être que tu as la chose. Maybe you have that gift. Mais même si tu es seul. Even if you are alone. Mais on peut se développer par toi. We can still develop through you. N'attends pas que tout le monde fasse ce que toi tu as. Don't wait for everyone to do what you have. 12. Number 12. Le média moderne. Media. Baninga, je vous dis si Jésus était vivant aujourd'hui. If Jesus was alive today. Il allait avoir son Twitter. He would have his Twitter account. Son Instagram. His Instagram account. Et puis il allait avoir le mari de Magdala pour chérie. And he would even have all this. Mais je vous dis combien sont membres de l'église? How many are members of the church? I don't know if you are not ashamed by this. Vous partagez ce que les autres envoient. You share what other people are sending. Mais vous n'avez pas le courage à repartager au yabino. Amen. You don't share what is yours. Et ça, l'abino dernier. How do you feel? Vous savez souvent quand on était des enfants. Do you know when we used to be children? On pensait que ce qui était mieux c'est la maison du voisin. We were thinking that our neighbor's house was better than ours. C'est jusqu'à ce que tu sois dans la maison du voisin au monaké. It's when you reach your neighbor's house, you say, ah, they're like us. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a été aux États-Unis? Has anyone ever been to USA? Est-ce que vous savez que aux États-Unis, il n'y a pas que les buildings? Do you know there's not only buildings? Il y a aussi des quartiers pauvres, plus pauvres. There are also poor countries, poor places. Oui, je vous dis, j'ai vu, et puis wow. I've seen this. Mais ils ne montrent pas. But they don't show their poor side.
Normalement, nous de l'église. Naturally, us from church. Qui savent que on a notre YouTube. You know that we, who knows that we have a YouTube account. Merci. Mais qui, I mean, est-ce que vous savez que même certains pasteurs qui sont en Afrique. Do you know that some pastors in Africa? Leur force c'est quoi? C'est le membre qui share. Their strength is the members who share. J'étais what avec they mon had enfant Charles. We were with a pastor France. Was Pastor Charles. Bien qu'il a beaucoup de membres, mais il a toute une équipe de l'église. He has a whole team. Ceux qui quittent l'église band. When church service is about to start. Ils ont leur téléphone. They have their phone. Chacun partage dans 20-20. Donc, ceux qui abandonnent pas bâti. When they start, sharing. 20, they start sharing to 20 people. Ils commencent à suivre. And then they start following the service. Ça c'est la responsabilité. This is our responsibility. La valeur de ton église. The value, the worth of your church. C'est toi qui vas la donner. You are going to give it. N'est-ce pas? Amen. Comme la valeur de maman autant c'est ngamo na lo barango. Is Pastor Mabso praises his wife. Olingo lingate na lo bi c'est ma femme, may c'est la like plus belle. May you like to know, he says she's the most beautiful. Je la compare beautiful. Na yote, azay la plus belle yangai. She is beautiful for him. Elle a rempli mon cœur. She has filled his elle heart. Elle a fait que je devienne aveugle. And she has made him je blind. Je l'aime elle et puis elle seule. He loves her. And her only. Look at her. N'est-ce pas, c'est bon? Amen. C'est à force de dire ça. It's by saying this. Sometimes when she sits, she thinks, ça la fait du bien, n'est-ce pas? He does her good. C'est à toi de dire à tout le monde. It's up to you to say to notre église, our church. Et comme nous avons le Facebook, and because we have a Facebook YouTube, page, our YouTube la channel, personne qui va share c'est qui? C'est the toi. The person going to share is you. Vous allez voir si chacun de nous décide. You will see that if we all decide. Juste en un mois. Even just in 1 month. Au moins on est sharing again. You will see how the shares will go up. C'est le média moderne. Ce n'est plus question de TV, mais tous nous sommes là. We are all into social media. Aux gens, chaque culte, photo. I told people that every service you take pictures. If I don't say anything, they don't do it. Oh, quand le pasteur vous donne une responsabilité, développez-le. When pastor is giving a responsibility, just nous, on a develop. Avec dactylo. Tic. They used to mais have les enfants d'aujourd'hui, même moi, on a 2 ans. Computer. Tu vois le petit là? But today, 2 years old. Les petits ici, si je lui donne, voilà, ils appellent un téléphone. Donc, ils sont spécialistes à téléphone. They're specialized in phones. Les petits ici peuvent share, ma grande bébé. They can share so many things. Nos jeunes. Our youth. La fierté de notre église. Our pride. C'est vous. You are the teacher. Nous ne sommes pas dans les Facebook. I said, we are not on Facebook. We are on Twitter. Amenez-nous là-bas. Then take us there. C'est votre responsabilité. It's your responsibility. 13. Number 13. Les beaux-arts. Good art. Le art n'est pas seulement quelque chose qui est réservé aux païens. Art is not only reserved to pagans. Même aux chrétiens. Even Christians. Vous allez dans les maisons, vous trouvez des bois qu'on a écrit ma maison sera appelée maison de prière. In the houses you see, oh, my house shall be called a house of prayer. Chacun de nous peut développer quelque chose qu'il a. We can all develop this art. Je m'excuse les amis. 14. Number 14. La réconciliation. Reconciliation. Le Seigneur nous a donné tous un ministère de réconciliation. God has given us the ministry of reconciliation. Sois celui qui réconcilie les gens. Be the one who's going to reconcile people. Neni, Mobile name Nicola. Oh, his husband has left him. Aleka qui veut. Oh yeah, she was just too much. No. Tu gagnes quoi? Tu gagnes? Quoi? What are you gaining? Dieu veut que nous puissions réconcilier. God wants us to reconcile. Vous ne savez pas si en réconciliant quelqu'un. You don't know that by going back to with someone. Dieu peut aussi te réconcilier. God can also avec d'autres personnes. Reconcile you with other people. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. He has given us this ministry. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. May the Lord bless you. Je m'excuse, je voulais faire 45 minutes. I wanted to do 45 minutes. RCV, un clic et suivez partout. RCV, un clic et suivez partout. RCV, un clic et suivez partout.